Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Europa Universalis 4. Ça rigole plus, putain, l'accent et tout là. La Westphalie, Westphalie, Westphalie. Et Londres, London. Fucking British. On a tout. Ok. On s'en fout. Ensuite, un soulèvement. Les Spanish particularistes et les Bruniens parti. Ouais. Ok, les Spanish particularistes, ils vont popper où? Enfin, y a déjà moins de monde qui veut se rebeller, quoi. Ça s'est calmé. À Calabar. C'est où Calabar? Calabar. Ben moi ça, mais qu'est-ce qui nous emmerde? Allez, on va se mettre là-bas. Ah oui, c'est vrai que je suis en guerre, j'oublie ce détail. Bataille de Baltimore. On les a défoncés. On enlève la pause. On enlève la marche forcée. Il va où lui? Il va à Sashkamena. La Grande-Bretagne occupe Saliche, ouais. Où Saliche? Ah, on s'en fout de ça. Oh, tu as mis son armée là-haut, il est peur de rien, quoi. Mon armée qui était en train de se... Ah, bah, il est toujours en train de se branler les couilles. Bah oui, tellement bien. L'armée est arrivée à Shushkamena. De Shushkamena, il va où, lui? Il va au Wyoming Valley. Ah, c'est là-bas, le Wyoming? Ah, je pensais à plus dans les terres... Interpaumé quoi. Putain! L'armée de destination, on va aller là-bas. Merde, en Calabar. Donc, est-ce que les particularistes. Les Serbes maintenant. Eh oh oh oh, va falloir se détendre les gens là. Hop, mission, toi, neutralisation des rebelles. Ok. Ensuite, on a donc les Bruniens séparatistes. Bon, ils veulent plus popper, mais bon. Les séparatistes serbes, niche. Et voilà. Niche. Ouais, bon, ce qu'on va faire, hein. On va mettre toi, mission, neutralisation des rebelles. Tu vas me neutraliser ça. Ça. Et ça. Et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, je veux dire, et ça, voilà. Tu modifies tout ça. Toi, on rassemble, tu neutralises les rebelles dans la même zone. Voilà, là-bas, 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 là, 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 ah, là, 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 ici, et ici. Voilà. Et si ça pop, bah on les défonce. Voilà, donc là, je pense que les. Brunei, on s'en fout. Eux, c'est bon. Les Valaks, c'est bon. Et si Brunei, en fait, on va s'en occuper. Je suis con. Non, c'est là-bas, Brunei. Brunei, où est-ce qu'il y en a qui veulent popper? À Koutaï. Mission, tu me gères les rebelles là et là. Voilà. Et hop, ils vont disparaître eux aussi. J'ai dégagé le japonais. Ouais, c'est ça l'histoire. Là-bas, mon armée. Ils sont plutôt... Oh putain, 348 000 de manpower. Pouh, ça fait beaucoup. Bon, on va aller se défoncer ça, 20 000 hommes. Oh le pauvre. 28 janvier. Intégration de la Bourgogne, putain, ça c'est une putain de bonne nouvelle. Nisiping, ils ont perdu 2 000 hommes, ok. Ouais, Cassius Belli, ouais, Cassius Belli perdu. Ok. On attend qu'ils arrivent. Voilà, donc ça a une plus belle gueule. Là. On regarde mon pays, voilà. La Cascadie, le machin, le ceci, le cela. La Louisiane est à moitié défoncée. La Bourgogne est complètement à moi. Ça, c'est gavage. Alors là, on va se... Oh!
Avec l'orgie des pépettes. Là, va falloir qu'on met. Oh là là là, ça va être beau. On va peut-être dégager un peu de forteresse parce que, bon, comment dire, je crois qu'il y a un tout petit peu trop. Oh, shipping. Ok. Oh, bah là, on a stacké. Oh là là là, là, on a fait mal à leur. On attend qu'ils puissent bouger. Février, 4 mars. J'arrive le 16 février. Oh, c'est beau ça. On va aller défoncer ce qui traîne là aussi. Allez, bim! Au revoir l'armée. On leur a mis cher. Grave cher. Cambrai produit du charbon. Ah ben, Cambrai en même temps, à part du charbon, eux. Il va où à Solsa? Il va. Huron. Voilà. En quoi qu'il me dit. Ok. Ma flotte, elle est là. On va la rapatrier là-bas. Bérou, tu vas me prendre une 24-06 mixte. On des comptes, ok. L'armée, on l'a engagée à Huron. Ok. West Bermuda, si. C'est quoi cette flotte? Ah, c'est ma flotte de. Ma flotte bourguignonne. Donc. Non, on va l'envoyer au Finistère. Celle-là, on l'envoie au Finistère. Il y a combien d'ailleurs? 48 navires lourds. Ouf, ouais. Bon, bataille du Huron. Redéfoncer encore une armée ennemie. Il va où lui? On va attendre que l'armée soit bonne. Hop, le moral, il est bon. On va les envoyer là-bas. Le clou est arrivé au Finistère. Ensuite, ce qu'on va faire. Là-bas. Cuba. Cuba, Cuba, Cuba. On va appeler les dirigeants. Le Portugais Mexico. Bon, on va les apaiser. Ok. Maintenant, l'Angleterre. Si je veux faire la paix avec lui. Newfoundland, ouais. Ah ouais, on va faire ça et ça. Ça, il accepterait. La Louisiane, il accepterait. Et là, je lui prendrais bien ça. Ça y est pas. Non, non. Le Caraïbes lui veut bien. Voilà, on va lui demander ça déjà en premier. Hop, voilà. Il a perdu beaucoup d'hommes. J'ai perdu 129 000 hommes. Et si on regarde ma part. J'ai perdu 85 000 hommes. Ouais, ça va, il en a perdu. La grande menace, il en a perdu que 1800? Non, il a pas perdu. Oh non, l'enculé, le Newfoundland, il a perdu. Oh, 113 000 hommes, les 13 colonies, 27 000 hommes. La Louisiane, 13 000 hommes. 3007 et le japonais 73 000. Putain, le japonais a payé un tribut quasiment. Oh,
Newfoundlandais. Ah ben, ils ont pris cher, quoi. Grande-Bretagne. Ok. Voilà. Voilà. La Floride, elle a chopé du territoire. Elle va être contente. Là, on va enlever la marche forcée. On va se mettre là-bas. Mon autre armée, elle est où? Ah oui, l'autre armée, elle est à Chai, quoi. Elle est là, l'autre armée. Donc, cette autre armée-là, on l'a fait passer en 24-0-16 mercenaires. Les 24 000 hommes, on les dégage. Cette armée-là, on l'a fait passer. On attend qu'elle arrive. Non, c'est plutôt pas mal, là. L'anglais, il a pris putain de cher. Donc, une là, une là, une là, une là. Voilà. Il a pris cher l'anglais. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'Autrichien. Ah, on a encore deux marchands. Trois marchands de plus. Ouh, c'est de toute beauté, ça. Ok, donc on va se pencher un peu sur le commerce. Ici, oh, j'en connais 70%. Alors voyons, 418, le nœud, et ici, que 130 de valeur? Non. Est-ce que... Oui, tac, tac, tac. Est-ce que j'ai une de ces provinces qui est à moi? Ouais. Valeur commerciale. Ben, Avignon, on va en faire ma capitale de commerce. Des rebelles à proximité du pays. Ouais, pourquoi je peux... La capitale commerciale, 173, il me faut. Ah merde, oui, c'est vrai que j'ai là-bas. On va les dégager. Ma flotte. Mais 40 navires, ouais, on attend qu'ils arrivent. Voilà, ça c'est mes renforts. En Angleterre, les troupes là-haut. Derby. Ah, Derby, toi, tu t'entraînes. À York. York, tu t'entraînes. À Béro. Ouais, ça c'est bon, Quaticule, en Béro. Béro, ouais, on attend la flotte surtout. La flotte est arrivée. Ok, donc maintenant, là-dedans. Combien j'ai d'hommes? 21, 10, 24. On fusionne tout, on va dégager tout ce qui est au-dessus 40. Il m'en faut 26. Hop, et ça, on embarque dans le navire, on va leur foutre un général, celui-là il envoie du poney, on l'embarque dans le navire, le navire il va me débarquer à Pégou. Pégou, t'as qui comme allié? T'es tributaire du... T'as le Ming en... T'es tributaire du Ming, ouais. Tongu, Tongu, t'es... Tongu, tributaire de Ming. La Russie qui est là-bas, quoi. L'Ottoman qui est là. Pasaï. Trembling. Allié avec Ottoman et Pasaï. Est-ce que le Vijayanagar, je pourrais lui acheter... Le Vijayanagar, c'est quoi sa relation avec moi? Plus 8. Plus 8, plus 8. Indépendance garantie par Mogol. Non, mais sérieux, quoi. Allié avec Gara. On va regarder un petit truc aussi, c'est les flux commerciaux. Ah oui, c'est ça que je voulais regarder, les flux commerciaux. Ici, j'envoie tout ça là-bas, ok. Là. En richesse. Les Caraïbes, envoie tout ça là-bas, ok.
Non, 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 pourquoi ça passe là-haut? Ah oui, c'est vrai que je suis... Oh là là, c'est... Je suis l'espagnol, moi, je suis con. Donc si j'envoyais là-haut, là-haut, t'as combien qui ressort? T'as 0,89, t'as tout ça qui va là. Non, ce qu'on va faire là-haut, ce marché-là... Pas l'envoyer à Bordeaux, ça sert à rien. Bordeaux, genre, contre 98 qui va là, qui redescend là. Qui a la puissance commerciale ici? Moi. Naples. Et Mantoue. Ici, qui a la puissance commerciale? Moi. 65%. On va prendre un des pécores qui se branle les couilles. De là à là. Ici. On va transférer là-haut. Là, on transfère là-haut. Ici, on transfère en bas. Là. J'ai que dalle en... Si j'ai 33%. Non, on va pas se pencher ici. On va se pencher le Mexique. J'en ai 44%. De toute façon, ça va où je veux. Ça va là-haut. Très bien. Le Japon. J'en ai 8%. 58% ici. Ici. 3%. Enfin là, ça va là-bas. Ici, j'en ai 89%. 85%. Il y a tout qui va en bas. Et là. Ouais. Là, faut que je transfère de la puissance commerciale en bas. Alexandrie, je rapatrie. Et de là, on va transférer la puissance commerciale. Voilà. Là. Ensuite, oui, acheter à Gujarat. Est-ce que je pourrais acheter une province? Genre Tata. Le Mogol, est-ce que tu me vendrais Tata? Non, c'est dans diplomatie. C'est où? Compagnie à charte. Tata, il veut pas. Surat, il veut pas. Putain, le con. Tana, c'est pas lui ça. Diplomatie, compagnie à charte, Tana. Pourquoi? Se sent menacé. Non, je t'explique. Toi, vite fait, Vijayanagar. Diplomatie. Si je m'allie à toi, j'ai combien de relations diplomatiques? 6 sur 7. Ben, Vijayanagar, je te propose de, voilà, de suite. Voilà. T'as pas de sentir menacé. On est potes. Notre flotte est arrivée. Ok. Sans encombre en Béro. Ouais, ok. Je vois ce que c'est. Vijayanagar, faut que je m'en occupe, faut que je revienne après. Conversion. Devin. Non, je touche pas aux protestants. 3. Oh, 166 mois. Putain. 2-10. Non, mais ils me font chier un peu, moi aussi, là. Putain, l'autre, il a toujours pas fini de convertir son pays de merde. Là, elle est où ma flotte? Elle est là-bas. Elle arrive. Armée là, on la dégage. Elle est arrivée en Kwaitloul. Ouais, c'est où ça? Ah ouais, c'est là-bas. Ok. En Béro, ouais, ok, on va retourner au Vijayanagar. Vijayanagar, diplomatie. Non, on veut toujours pas. Ça, c'est proposer une compagnie. Ouais, on s'en fout. S'en fout. On s'en fout. Ouais, Vijayanagar. Non, il est toujours pas. C'est quand? Le 16 juin. Demain. Voilà. Proposer une compagnie. Non, c'est pas ça. On a un avertissement, garantie indépendance. Non, c'est pas ça.
Compagnie à charte. Non, on va regarder vite fait. Développement 10. Non, c'est... Ah, je vais y arriver. Valeur commerciale. C'est pas ça. Commerce. 9,2 et 9,5. Donc, Vijayanagar, on va lui acheter Shawl. Pourquoi? Autre province proche. Réticence de bas. Alors, c'est quoi ça? Autre province proche. Ah, j'ai Goa déjà, j'avais pas vu que j'avais Goa. Ok, donc Goa ici. Bam, un peu de tradition militaire. Ok, donc voilà, ça fait le ting-ding. Donc on va s'arrêter là, les gens, pour cet épisode. Moi, je vous dis donc bye bye. Et à demain pour la suite de la série. Allez, ciao tout le monde.